Mon nom est Marc Boursier et je suis candidat à la mairie de Saint-Jérôme. J'y suis né, j'y ai grandi et fondé ma famille. Comme toute la famille Boursier, j'ai œuvré en enseignement. 35 ans à l'École Notre-Dame, un milieu de vie extraordinaire et surtout, ses nombreux élèves et mes collègues que je n'oublierai jamais. J'ai Saint-Jérôme tatoué sur le cœur et tout au long de ma vie, je me suis impliqué dans toutes ses facettes. Comme tous mes concitoyens, je n'ai pas vraiment aimé ce que j'ai vu et entendu sur ma ville au cours des dernières années. Il est plus que temps que l'on parle de Saint-Jérôme pour les bonnes raisons. En tant que chef d'Avenir Saint-Jérôme, j'ai la ferme conviction de pouvoir changer les choses, de pouvoir changer la façon de penser, de pouvoir changer les façons de faire. Vous savez, les Jérômiens et Jérômiennes doivent faire face depuis des années à un sérieux problème de communication avec le maire, les conseillers et la ville. Nos élus actuels s'éloignent de plus en plus de la population et sont déconnectés de leurs préoccupations. Tous ensemble, il nous faut doter cet hôtel de ville d'une nouvelle culture politique. On va y arriver, parce que comme jamais auparavant, nous respecterons au départ les choix de la population en revalorisant le rôle du conseiller municipal. Tous les conseillers et conseillères seront traités également, peu importe leur allégeance politique. Cela signifie que le 7 novembre prochain, diviser les gens, insulter des adversaires ou les maires des autres villes, mentir ou se taire pour parvenir à ses fins et attaquer la démocratie municipale ne sera plus la manière de faire à Saint-Jérôme. Ce sera le début des réparations et du changement de culture politique. Ce sera l'une des élections les plus importantes de notre histoire, mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de prétendre le contraire. Chose certaine, Saint-Jérôme ne sera plus jamais la même. Et ce que nous proposons est dans l'intérêt du bien commun et dans le respect de la capacité de payer des contribuables. Nous appliquerons un moratoire et protégerons le lac Jérôme, la forêt qui l'entoure, ainsi que tous les espaces verts de la ville pour le plus grand bien de nos générations futures. Le dépotoir Filion sera transformé en parc municipal avec un stade de baseball, des sentiers de marche, de vélos de montagne et de ski de fond, et tout ça va être lié au sentier du lac Jérôme. Nous procéderons enfin au recyclage des déchets granulaires que vous voyez derrière moi en l'incluant dans l'asphalte qui pavera nos rues, une première au Québec. Avec, nous l'espérons, l'appui du ministère des Transports, nous améliorerons la fluidité de la circulation aux entrées de ville, à La Fontaine, Saint-Antoine, Bellefeuille et ici à l'intersection des rues Kennedy et de Martigny, car ce sont des problèmes majeurs qui nous affectent tous et qu'il faut régler le plus rapidement possible avec l'augmentation des véhicules automobiles dans la ville. Avec la présence de E-Lyon Électrique, de l'Institut du véhicule innovant, des programmes de formation du Cégep de Saint-Jérôme et de notre université, nous sommes sans contredit la capitale nationale de l'électrification des transports. Faut être fier de ça! Toute une série de mesures incitatives seront prises afin de favoriser l'avènement des véhicules électriques sur le territoire de Saint-Jérôme. L'utilisation d'une grande partie du parc industriel sera d'ailleurs orientée en ce sens. Nous avons l'intention de revitaliser l'ensemble de nos plateaux sportifs, par exemple le baseball, le soccer ici, le tennis, mais également les terrains de pickleball qui ont besoin d'être agrandis, ce sport devenant de plus en plus populaire auprès de notre clientèle jérômienne. Nous procéderons durant notre mandat à l'aménagement de 3 patinoires réfrigérées couvertes à Saint-Antoine, Bellefeuille, La Fontaine et une 4e sera demandée aux Canadiens de Montréal pour être érigée ici même
au Parc Mélenchon, sur le site de l'ancienne petite barboteuse qui est derrière moi. Il est primordial de créer un musée de l'histoire de Saint-Jérôme avec section sportive afin de préserver notre patrimoine, notre mémoire collective, nos exploits pour les générations futures. C'est inacceptable que notre ville n'en ait pas. Il faut absolument prioriser toutes les facettes de l'achat local par toutes sortes de mesures encore plus importantes pour le plus grand bien des commerçants du Grand Saint-Jérôme et entre autres de notre beau marché public qui est derrière moi. Et pour les 65 ans et plus, et pour tous, si les finances de la ville le permettent, transport en commun gratuit et maintien du service Alfred, c'est-à-dire le taxi, à 1 $ chaque vendredi. On essaie tous de donner un sens à notre vie. On a des enfants, une carrière, des expériences. Et aujourd'hui, je veux essayer de redonner à la ville que j'aime tant le meilleur de moi-même, avec des femmes et des hommes qui, tout comme moi, sont dédiés au bien commun. Il faut changer la culture politique de Saint-Jérôme, réparer les relations avec la population, nos organismes, avec nos villes voisines, nos commerçants et le gouvernement. Il faut réparer aussi nos infrastructures, les problèmes de circulation, les réputations brisées et surtout, restaurer le respect et l'intégrité de notre conseil de ville. Le 7 novembre prochain, ce sera le temps d'être fier. Fier de nous, fier de Saint-Jérôme.